Alors d'abord, moi je pense qu'avant de parler de résilience, il faudrait parler de prévention. Parce qu'en fait, pour pouvoir mettre en place des politiques de résilience efficaces, il faut que les citoyens, les élus, toutes les parties prenantes aient une bonne connaissance du risque, c'est-à-dire de la possibilité de la survenance d'un aléa, mais également de la vulnérabilité. Or, bien souvent, comme il y a peu de politiques de prévention, voire pas de politiques de prévention vraiment efficaces, il y a une très faible connaissance du risque et de la vulnérabilité, et donc il est très difficile de mettre en place derrière des politiques de résilience efficaces. Quand vous avez une vraie politique de prévention, que les plans de prévention des risques sont vraiment mis en place, qu'il y a une vraie communication, une vraie information, par exemple si vous avez vraiment des repères de crues visibles, et si les gens font le choix de s'installer en zone inondable, ils vont naturellement se poser des questions sur les digues, sur les protections, sur la construction de leur habitat. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile de mettre en place des politiques de résilience. Si vous faites fi de toute cette première partie, une fois qu'ils ont construit de plein pied en zone inondable, il va être beaucoup plus difficile de faire de la résilience et surtout de leur faire comprendre qu'ils sont dans une zone à risque. Donc je pense qu'on a parfois tendance à inverser les deux termes. Je pense qu'on a beaucoup perdu la notion de responsabilité sur toutes les décisions, que ce soit la décision du citoyen quand il va faire un choix, par exemple acheter un terrain pour construire une maison. Il ne va pas beaucoup se poser de questions si personne ne lui explique que ce terrain est en zone inondable, qu'il prend des risques, qu'il devra assumer les conséquences de ces risques. Ce qui fait que quand vous avez ensuite un drame, comme dans l'Aude aujourd'hui, vous avez une recherche de responsabilité diffuse. On va chercher une responsabilité chez Météo France, on va dire c'est le climat qui se détraque, on va dire c'est la faute à pas de chance, ou c'est la faute à un événement climatique exceptionnel, alors que ça n'a rien d'exceptionnel, et personne n'est responsable. Et donc finalement, on va permettre à tous ces acteurs qui ont pris ces décisions, que ce soit le citoyen ou que ce soit l'élu, de se dédouaner de leurs responsabilités en disant de toute façon, c'est l'État, c'est la collectivité, ce sont les assureurs qui vont payer, ne vous inquiétez pas. On travaille sur des mécanismes plus efficaces dans la prise en compte du risque et dans le changement des comportements. Par exemple, si vous faites une opération de résilience, ou si vous informez des gens dans un quartier qui sont en zone inondable et qu'il faudrait surélever certaines choses ou mettre une ouverture dans le toit, etc., etc., il n'est pas certain qu'ils le fassent, sauf si soit on va les pousser à le faire d'une manière un peu inconsciente via des nudges, c'est l'économie comportementale, sauf si on va être en capacité probablement de leur faire vivre potentiellement cet événement. Quand je dis le faire vivre, ce n'est pas de l'information, c'est de manière émotionnelle, ce n'est pas un film. Il faut qu'il soit dedans. Et là, par la réalité virtuelle, par des techniques un peu de mise en situation, pas seulement visuelles, hein, mais cognitives. Hein. Tout le corps est, vous pouvez avec des combinaisons donner le sentiment de froid et d'eau, etc. Donc on peut faire des choses très fortes qui font que les gens vont réaliser tout ça. Il faut aussi que les environnements de décision, les collectivités locales, les élus, acceptent que les gens se disent « mais moi je ne savais pas qu'on m'a fait construire là », acceptent que les gens disent « mais moi je ne suis pas content », mais c'est le point de départ pour faire de la résilience. Si on n'accepte pas ça, si en gros on met la poussière sous le tapis, parler politique de résilience reste un peu de la politique. Voilà. Et c'est vrai que dans la région grenobloise, on a plutôt un écosystème favorable avec des gens sensibilisés, des élus impliqués, et donc un écosystème qui nous permet de travailler à la fois avec les citoyens, avec les chercheurs, et aussi avec les élus qui ont une écoute, pour l'instant en tout cas, positive sur nos travaux. Quand on veut travailler sur des sujets de recherche importants et d'intérêt général, par exemple, il y a un enfant derrière vous, là, avec un casque sur la tête, la qualité des casques. On a fait des études qui montrent, pour faire simple, que les normes aujourd'hui sur les casques sont totalement dépassées, qu'on pourrait protéger beaucoup mieux les enfants, qu'on ne teste pas les casques comme il faudrait. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Aujourd'hui, pour faire bouger la norme, pour faire bouger un système réglementaire, c'est des années et des années de bataille, parfois jusqu'à Bruxelles, et ça ne bouge pas. À quel moment on a fait bouger tout ça? En mettant tout ça sur la place publique avec 60 millions de consommateurs. À partir du moment où le citoyen se dit « Ah, mais c'est bizarre, en fait, mon casque il coûte très cher, mais il protège très mal, pourquoi on ne m'informe pas? Pourquoi il n'y a pas des règles qui permettent aux citoyens et aux consommateurs d'être réellement informés ?» À partir de ce moment-là, comme par magie, les élus, nos gouvernements s'intéressent au sujet et les choses bougent. Donc malheureusement, bien souvent, s'il n'y a pas une pression du citoyen, il n'y a pas beaucoup de changements qui se produisent un peu plus haut. Quand on regarde dans le passé, vous avez 3 à 4 événements équivalents tous les siècles depuis 400 ans, qui sont répertoriés, il n'y a rien de nouveau.
La seule différence, c'est que il y a une perte, et ça c'est un élément important en matière de résilience et de prévention des risques, une perte de la mémoire, il y a une amnésie collective. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que jusqu'à 10 ans, jusqu'à des fréquences de 10 ans d'événements, la mémoire collective reste, donc les gens savent. Donc, ils font attention. Entre 10 et 20 ans ou 30 ans, dans nos sociétés où il y a beaucoup de migration, eh bien, comme il y a beaucoup d'arrivants, et surtout ces arrivants, souvent, eh bien, ils se mettent en bordure des villes, dans les zones que les autres avaient délaissées pour de bonnes raisons jusqu'à présent. Et donc, eux n'ont pas cette conscience-là. Donc, s'il n'y a pas un travail de mémoire collectif, bah, ces gens-là s'installent de bonne foi, avec des risques, sans trop le savoir. Et après, quand vous passez au-delà de 50 ans, ce qui était le cas de Xintia, il n'y a plus de mémoire collective. Et même de bonne foi, les gens nous disent « mais il n'y a jamais eu d'eau ici », alors qu'il y en a eu 3 à 4 fois tous les siècles depuis 400 ans. Donc ça, c'est un vrai problème. Et les repères de crues participent à la mémoire collective. Parce que quand il y a des repères de crues, les petits disent « papy, c'est quoi ce truc-là? À quoi ça sert ?» Et les papys peuvent raconter l'histoire.